Vous êtes tous frais, et oui, ça fait un petit moment, ça fait 6 mois depuis la dernière vraie vidéo. Entre temps, il y a eu des petites vidéos démo de ce que je faisais sur Godot, quelques progrès. Et en fait, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière fois? Eh bien, la saison du haut n'est jamais arrivée, la saison des shorts sur les yokai, la plongée, tout ça, ça n'est jamais arrivé, parce que de toute façon, moi, je n'ai toujours pas fait de montage pour la plongée, j'ai pas fait de montage pour les yokai, et au final, je pense pas que le format des shorts soit le format qui m'intéresse le plus au monde. Là, aujourd'hui, on a repris les lives avec le DLC de Splatoon 3, et ensuite, on va reprendre les lives normalement. Je viens de retrouver du travail, donc je peux plus ou moins garantir de faire des lives au moins une fois tous les samedis, normalement, une fois par semaine. Le samedi, n'hésitez pas, dans les commentaires, vous me dites les heures que vous préférez, entre guillemets. Ensuite, je dis pas que je vais les respecter, mais je vais essayer de voir ce que les gens demandent le plus. Une tranche horaire de 2h, 2h30 tous les samedis, maximum, pour jouer ensemble, que ce soit à Splatoon, Mario Kart, ou ce genre de choses, et peut-être à d'autres jeux comme Fortnite, et d'autres jeux en ligne, tout simplement, on verra. Mais vraiment juste pour streamer ensemble, s'amuser un petit peu, et passer un bon moment dans le chat, à discuter à droite, à gauche. Voilà, ça c'est l'idée. Maintenant, pour les vidéos, qu'est-ce qui va se passer? Je sais pas si je vais sortir beaucoup de vidéos, mais si je sors des vidéos, ce sera probablement du game dev, des démos de ce que j'ai fait dans Godot, des avis sur Godot en général, par exemple des petits conseils pour essayer d'apprendre, des petits conseils sur comment moi j'apprends, montrer des prototypes, montrer mes progrès en général. Mais voilà, si ça vous intéresse, ce sera sûrement ce qu'il y aura. Mais en fait, j'ai pas envie de me diluer et faire le projet yokai, le projet machin et tout, parce que en fait, je suis pas prêt, j'ai même pas les connaissances nécessaires pour en parler. Par contre, je me dis faire des prototypes de jeux vidéo dans lesquels, par exemple, ce serait des mini-jeux dans lesquels il y aurait des yokai et les interactions avec ces yokai, comment leur échapper, comment les combattre, ou ce genre de trucs. C'est un peu éducatif, ça surfe avec la mythologie et ça montre ce genre de trucs. Voilà, ça c'est un projet que j'aurais envie de faire parce que ça mêlerait les yokai, le jeu vidéo et ce serait assez cool. Donc voilà, c'est le genre de truc que j'ai envie de faire. Sinon, bah, n'hésitez pas, encore une fois, vous allez dans les commentaires, vous me dites les horaires qui vous arrangeraient le plus pour le samedi, et ça, ce serait plutôt cool de le faire. N'hésitez vraiment pas à proposer des trucs, même si ça vous paraît complètement irréaliste et que je pourrais pas forcément le faire. Moi, j'ai envie de savoir ce que vous en pensez, et puis je pourrais essayer de m'adapter en fonction de l'horaire. Bref, voilà, encore une fois, désolé pour le changement de plan, 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 changement de plan saison 8, c'est le nom de ma chaîne maintenant, changement de plan de saison 8, où plot twist, totally expected plot twist, hein, plot twist totalement attendu. Bref, voilà, petite vidéo enregistrée à la fin d'un live pour vous tenir au courant. Voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, que ce soit pour dire « Ah, mais t'es chiant, t'arrêtes pas de changer tout le temps », ou me dire bah, ce qui vous hype, ce qui vous hype pas. Bref, je m'attends pas à ce que beaucoup de gens voient cette vidéo, mais merci à vous et merci à ceux qui les regardent encore. N'hésitez pas à dire... qu'est-ce qu'on pourrait dire? N'hésitez pas à dire « poulpi la banane » dans les commentaires pour que je sache que vous avez regardé la vidéo jusqu'au bout. Bref, sur ce, moi je vous dis à plus, et surtout, n'oubliez pas, restez frais, ciao et à samedi !